I've seen hell rise out of your eyes. Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de cette magnifique œuvre qu'est Cage Wait. Comme vous le savez sans doute, l'anime est en cours de diffusion, on a d'ailleurs eu l'épisode 3 et 4 récemment, et comme souvent, il y a quelques différences entre l'anime et le manga dont je vais vous parler dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je tiens à rassurer les personnes qui ne regardent que l'anime, cette vidéo ne contient aucun spoil. Je ne parlerai donc pas du fait que Kikoru va tuer son père, ni que Kafka va finir enfermé dans un zoo. Rassurez-vous avec moi, les secrets du manga sont bien gardés. L'épisode 3 couvre du chapitre 4 à la moitié du chapitre 6, ce qui fait environ 60 pages. On avait fini l'épisode 2 avec Kikoru qui cherchait à comprendre pourquoi Kafka sentait le kaiju, et même si on se doutait bien qu'elle allait pas découvrir la vérité comme ça, Reno lui sort une réponse très intelligente en expliquant que c'est sans doute parce qu'il nettoie les restes de kaiju. Bien joué petit gars! Après ça, Reno engueule Kafka pour avoir utilisé son pouvoir en public, et la mise en scène avec lui qui semble gigantesque par rapport à Kafka est stylée, ce qui le rend encore plus terrifiant. Surtout avec l'ajout du mot pas content écrit juste à côté, je trouve ça vraiment trop drôle. Dans la version papier, il y a juste une petite case, tout ce qu'il y a de plus normal. Bon par contre, l'anime ajoute une illustration dans laquelle il dit ne s'être servi que d'une partie de ses pouvoirs avec ses bras en kaiju, sauf que si on regarde bien, bah il n'y avait pas les bras transformés quand il a soulevé la voiture. Ça c'est un beau faux raccord quand même. L'examen physique va être beaucoup plus varié dans l'anime. On nous montre Kafka qui rampe au sol, qui fait des tractions ou encore qui grimpe sur un mur. Dans le manga, à part courir et monter sur un filet, il fait pas grand chose. Lors de la présentation des candidats les plus prometteurs, on s'aperçoit qu'ils ont modifié le design d'Izumo. Ils lui ont ajouté un chignon, ce que je trouve plutôt sympa. Bon par contre, oulala l'horreur pour ses cheveux, hein, parce que j'imaginais pas du tout qu'il serait de couleur vert kaki. Dites-moi en commentaire si vous préférez avoir la version papier ou animée, je suis curieux d'avoir votre avis. C'est d'ailleurs pas le seul à avoir été changé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour ma part, j'ai l'impression que les cheveux de Furuhashi sont bien moins stylés que dans la version papier. La mise en scène de la seconde épreuve est plus spectaculaire dans l'animé. On nous montre un kaiju qui fonce sur Oshima avant d'être arrêté par les barreaux, alors que dans le manga, on voit juste le capitaine de l'examen dire qu'ils vont tuer des kaijus. Ouais, c'est moins stylé du coup. C'est beaucoup plus impressionnant comme ça, et ça permet de montrer l'horreur que représentent ces monstres. Même si je dois vous avouer que dans l'animé, bah j'ai l'impression qu'il y a que Kafka qui a l'air inquiet de la situation. Bizarrement, ils donnent tous le sentiment d'être étrangement calmes face à ces créatures. L'anime ajoute même un petit passage rigolo où Kikoru fait une drôle de tête pour se foutre de la gueule de Kafka. Encore une fois, une façon d'accentuer leur rivalité. L'anime nous montre ensuite Reno qui enfile sa tenue, et là, il y a un truc qui m'a beaucoup amusé. Dès que Reno a fini de la mettre, on a un joli effet qui montre qu'elle s'adapte à son corps. On voit même l'ombre de ses abdos apparaître. Seulement, la scène d'après, on le voit de face et là, bah, plus d'abdos. On a même l'impression qu'il est devenu un homme tronc. Regardez, sa taille n'est absolument pas marquée, contrairement à la version papier. Je croyais qu'ils embauchaient que des gens qui avaient de bonnes aptitudes physiques. Quand vous voyez cette image, vous le sentez sportif, lui? Dans l'anime, Oshima va encore plus se foutre de la gueule de Kafka et son 0% de compatibilité. Et pour ne rien arranger au grotesque de la situation, Kafka donne l'impression de pousser comme sur le trône pour améliorer son score. Un ajout bien rigolo, même si je trouve qu'Oshima est un petit peu dans l'abus dans sa façon de se foutre de la gueule de Kafka. On a l'impression qu'on vient lui dire le truc le plus débile au monde. Genre Armin est utile à SNK, ou encore Sakura est balèze. Et maintenant, on passe à l'épisode suivant. L'épisode 4 adapte du chapitre 6 au 9, ce qui fait quand même environ 80 pages. C'est beaucoup, mais vous allez vite voir qu'on n'a rien enlevé ou presque, on va même avoir le droit à quelques ajouts sympas. Bon par contre, je ne sais pas si ce sont mes souvenirs qui sont faussés, mais j'ai été pas mal surpris de voir Kikoru marcher sur les murs. Je me rappelais absolument pas que la combinaison permettait de faire ça, et pour avoir vérifié dans le manga, elle ne le fait absolument pas durant l'examen pendant cette version papier. En tout cas, son petit moment dans l'anime est un ajout super classe je trouve. Parce que autant dans le manga, on la voit buter un petit kaiju et ensuite s'attaquer au gros, mais dans l'anime, elle bombarde et c'est vraiment impressionnant. Avec en plus le petit final où elle sort la langue pour montrer à quel point elle jubile et le kaiju qui tombe à ses pieds. C'est un classique dans ce genre de scène, mais je trouve que ça le fait grave. La mise en scène de l'apparition du nouveau kaiju est bien meilleure dans l'anime, je trouve. Dans la version papier, il apparaît devant Kikoru, et elle fait la remarque comme quoi il ne figurait pas sur la liste des kaiju avant qu'il ne l'attaque subitement. Dans l'anime, elle a à peine le temps de se retourner qu'il l'a déjà trouvé de partout. Il y a une autre ligne de dialogue intéressante qui a été ajoutée, c'est celle où le kaiju est surpris qu'elle ait survécu et pense qu'elle a une deuxième peau protectrice. Ça a l'air de rien dit comme ça, mais ça change beaucoup ma vision des kaijus entre l'anime et le manga. Le fait qu'ils ne le disent pas dans le manga sous-entend soit qu'il n'est pas surpris, et donc qu'il a assez étudié les humains pour connaître le fonctionnement de leur équipement, soit qu'il n'est pas assez intelligent pour remarquer l'effet qu'a cette armure sur son adversaire. Le fait qu'il le remarque dans l'anime démontre d'une part son sens de l'observation, et d'autre part qu'il ne connaît pas grand-chose au monde des humains.
Et je trouve que c'est très important de le signaler parce que, à la fin de l'épisode, on voit qu'il prend une forme humaine et on pourrait croire que, à l'image de Rainer, Bertholdt et Annie dans l'attaque des titans, il s'agit d'un humain qui a la faculté de se transformer en kaiju comme Kafka. Seulement, cette remarque sur un des outils fondamentaux de l'armée face aux kaiju prouve qu'il ne connaît pas encore bien le monde des humains et qu'il s'infiltre sans doute pour la première fois dans leur société. On a aussi cette confirmation dans l'animé, puisqu'une autre phrase a été ajoutée, dans laquelle le kaiju entend parler du numéro 8 et a l'air surpris de son existence. Or, s'il avait été un humain infiltré au moins depuis son apparition, il en aurait forcément entendu parler. Autre point que j'ai beaucoup aimé dans l'animé, il n'hésite pas à ajouter quelques petites scènes drôles, comme par exemple le moment où Reno s'aperçoit que Kafka est parti. Dans la version papier, c'est un classique dessin, alors que dans l'animé, il rend ça plus drôle avec des dessins assez simplistes. Ça permet de couper un petit peu la tension, et c'est tellement inattendu que c'est vite drôle. En plus, c'est pas trop omniprésent pour pas non plus couper trop souvent la gravité de la situation, ce qui est d'autant plus appréciable. Vraiment là, le studio a assuré, je trouve. Point absent de l'animé, Kikoru demande à Kafka s'il a un lien avec l'autre kaiju qui vient juste d'apparaître. Et même si on se doute que oui, je trouve que c'est bien qu'elle fasse le lien avec lui, chose que ne fait malheureusement pas l'animé. Au passage, je tiens à saluer le travail des animateurs et des compositeurs, parce que le moment où Kafka arme son coup et détruit le kaiju est juste magique, je trouve. Bon par contre, j'aime toujours pas la façon dont sa forme de kaiju disparaît. On dirait vraiment qu'il porte un costume. C'est très ample, alors que dans le manga, ça fait vraiment comme une seconde peau. On voit carrément que les cellules de son visage sont touchées par la forme de kaiju dans la version papier, alors que dans l'animé, ça touche absolument pas. C'est vraiment bizarre le choix qui a été fait, vous trouvez pas? Je note aussi que dans le manga, il a littéralement retiré sa transformation, alors que dans l'animé, c'est seulement sa tête qui est devenue normale. Pas très malin s'il veut passer inaperçu. Bon par contre, à moins que j'ai raté quelque chose, la scène où on voit Kikoru se réveiller et dire qu'elle a tué le kaiju seul est un ajout de l'animé. Ça montre d'une part qu'elle est obnubilée par ce que pense son père d'elle, vu qu'après le flashback, on la voit encore parler de lui dans son sommeil, et en plus de ça qu'elle respecte désormais Kafka, puisqu'elle va garder pour elle sa transformation en kaiju, expliquant que c'est elle qui a vaincu le monstre toute seule. Une façon de renforcer le lien entre les deux personnages dans l'animé. Au final, on a eu deux épisodes vraiment réussis. L'animation, que je trouvais moyenne à certains moments dans les deux premiers épisodes, est bien plus qualitative maintenant. Sans oublier que le studio d'animation a fait quelques ajouts pour ajouter l'immersion dans cet univers. Bref, c'est vraiment du très bon travail pour un animé qui mérite une adaptation masterclass. Personnellement, j'ai hâte de découvrir la suite de tout ça dès samedi prochain. Et je compte sur vous pour me donner votre avis sur ces deux épisodes et les différences qu'il y a eu avec le manga dans la zone commentaire. N'oubliez pas non plus le pouce bleu, l'abonnement et le partage sur les réseaux sociaux, ça m'aide beaucoup. J'en profite également pour remercier mes abonnés Patreon. Merci à vous de me donner de la force, sans vous je serais pas là aujourd'hui. Enfin, terminez avec un petit salut la compagnie dans la zone commentaire, ça me fait toujours plaisir. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss !